Good morning, allez Yiden, Purim Sameach, pour tous les habitants de Jérusalem et de ceux qui fêtent les Purim de Mokafin, le Purim le 15. L'étude sera aujourd'hui les Lui Nishmat Norbert Avram Ben Fortuné, Olga Bat Sol Vanish, Rachamim Ben Rosa et Chaya Bat Tova, ainsi que le Fouad Réfuel, Zebulun Ben Chaman et Meramat Hasidato, Ben Yudit et Sarah Bat Betir et Kavdor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah à contacter la 5e minute éternelle, nous étudions la Sechet Bechorot, Père Gdelet, Mishnah Tet. Echashud lihiot mocher truma leshem chulin, el lokrin yemenu afilu maim omenach. Divrei Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon omer, kol sheyesh bo zikat trumot umaasrot, en lokrin mimenu. On continue le sujet débuté déjà depuis le Mishnah Zayin, de celui que l'on soupçonne qu'il néglige certaines transgressions pour pouvoir se faire de l'argent, faire du business avec des choses qui sont interdites. On avait parlé dans le Mishnah Zayin de celui qui va consciemment, activement, un défaut dans son Bechor, dans son premier-né, pour le vendre, ouais, le Kohen. Le Mishnah précédent, on avait parlé de celui que l'on soupçonnait de transgresser des interdits en Shvi'it, dans la 7e année, quand on avait plein de travail à la terre, et lui, il se met à vendre du lin. À présent, dans notre Mishnah, on a découvert encore une autre sorte de Chashoud, et Chashoud liot mocher truma leshem chulin, celui que l'on soupçonne qu'il vend de la truma en guise de chulin. La truma, c'est ce qu'un Israël prélève pour vendre au Kohen, et on n'a pas le droit de le consommer. Même une fois que c'est arrivé dans les mains du Kohen, le Kohen doit le manger dans la pureté, et il n'a pas le droit de donner à manger à un Israël. On n'a pas le droit de le manger, il y a une sainteté donc. Et ce qui se passe, c'est qu'on a quelqu'un qui vend des fruits que l'on soupçonne être de la truma, qu'il s'agisse d'un Israël qui a prélevé et qui a pris à vendre la truma, ou qu'il s'agisse même d'un Kohen qui se met à vendre des fruits de truma pour se faire de l'argent, et qui prétend que ce soit du chulin. Il y a un détail qui m'échappe dans ces Mishnah, dans ces Mishnayot, c'est à partir de quand on a suffisamment de preuves, de soupçons sur une personne pour dire qu'on le soupçonne. Qu'est-ce que ça implique? J'ai cherché et j'ai rien trouvé ici. J'aurais peut-être dû ouvrir le Rambam ou la Gemara, mais bon, dans ces jours un petit peu joyeux de Purim, c'est un peu dur de trouver du temps. En tout cas, on a quelqu'un donc que l'on soupçonne de vendre de la Trouma en guise de Chulin. Et bien là, on a un avis original, c'est « En okrin mimenu afilu maim omelach » Même de l'eau ou du sel, on ne prendra pas de lui. C'est-à-dire, on va l'isoler complètement. Le Bartonora nous rapporte que c'est un knas, c'est un décret, une amende que qu'on lui fait, c'est une sorte de punition. Étant donné que c'est beaucoup plus fréquent, il y a beaucoup plus de tendance de transgresser l'interdit, alors on a été beaucoup plus radical que celui dès qu'on va le soupçonner, on ne fait plus du tout de commerce, on n'achète plus rien de lui, plus aucune nourriture de lui, ni même de l'eau et du sel. L'eau et le sel, ce sont des choses qui n'ont aucun rapport avec la trauma, bien évidemment. Parce que la trauma, c'est que agricole, c'est que des fruits. Et donc sûrement pas ni de l'eau ni du sel. Maintenant, ça c'est la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon, selon Rabbi Shimon, « Kol sheyesh bo zikat trumot u ma'asrot en okrin mimenu » Rabbi Shimon, lui, il nous dit, c'est vrai qu'il y a un knas. On va faire un décret, on va interdire de prendre plein de choses. Mais que des choses où c'est possible qu'il y ait de la trauma à l'intérieur. C'est-à-dire, on a évoqué bien évidemment les productions agricoles, t'as le droit d'acheter des fruits et des légumes de lui. Mais il y a même mieux que ça. Tout ce qui a un certain rapport avec quelque chose sur lequel on produit, on prélève la trauma tomasrot. C'est-à-dire tout ce qui a un certain rapport avec des productions agricoles, ça implique quoi? Ça implique même si, par exemple, on va avoir un plat de poisson, où dedans, on a l'habitude de mettre dedans de l'huile d'olive. Et bien, tu n'auras pas le droit d'acheter des poissons de lui. Pourquoi? Même si le poisson, ce n'est pas agricole, il n'y a pas de trauma tomasrot dans le poisson, mais puisqu'il est possible qu'il ait mélangé de l'huile d'olive, même le poisson, on ne va pas l'acheter de lui. Idem avec de la viande, avec tout ce qu'on pourra mélanger, éventuellement, des produits qui sont trauma tomasrot. On va faire un décret. Mais par contre, on aura le droit d'acheter de lui de l'eau et du sel. Pas du coca, parce que la feuille de coque, c'est de nouveau c'est un truc, il y a dedans du sucre, donc de nouveau, c'est de la nourriture. Mais tout ce qui n'est pas... D'accord? La différence, en fait, elle est juste sur l'eau et le sel, en fait. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et la halakha, elle est établie comme Rabbi Shimon. Un point important aussi, c'est que pour le moment, dans notre Mishnah, on a parlé de Trouma. Qu'en est-il à propos du Maaser Sheni? Maaser Sheni, c'est le... Quand on prélève, on commence par prélever d'abord un centième, un cinquantième, c'est la Trouma. Après, un dixième du reste, c'est le Maaser Rishon. Après, on prélève un deuxième Maaser, un deuxième dixième, et selon les années, il faut le monter à Jérusalem pour le consommer. On n'a pas le droit de le consommer en Israël. Il faut nécessairement monter à Jérusalem pour le manger ou transférer la Gdoucha sur l'argent.
Alors, ça, alors qu'est-ce que. Qu'en est-il? Sur ça, il y a. Alors, si vous faites attention, regardez, Tanakama, il a commencé à parler de Trouma. Et quand Rabbi Shimon, il a parlé, il a dit Troumot ou Maasrot. Maasrot, là, quand on parle de Maasrot, apparemment, il parle de Maaser Sheni. Donc, c'est sur ça qu'on a un très long Tosotium Tov qui débat sur la question. Apparemment, c'est une preuve du Kesef Mishneh, donc le Bet Yosef. Le même qui prouve de la Mishnah, qu'il en va de même aussi pour le Maaser Sheni, il y aura le même principe que la Mishnah, que tout ce qu'on a étudié, la même discussion entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, sur quoi est-ce qu'on fera le décret, mais on n'aura pas le droit, on n'aura pas le droit de consommer non plus de chez lui, si on soupçonne devant du Maaser Sheni. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha Kol Tov, Salam.